Salut à tous, je suis Gil V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Civilization 6, Rise and Fall avec Genghis Khan. On est reparti pour cette aventure merveilleusement merveilleuse. Donc là, avant de lancer l'enregistrement, j'ai regardé encore une fois la map. Parce que là, ça va être un petit peu chaud. Il y a quelques civilisations qui sont super loin de nous. Donc je me demande en fait qui attaquer, qui ne pas attaquer. Je me demande si je vais pas faire un Stropole sur une vidéo par rapport à Shaka Zulu. Parce que j'ai pas besoin de l'attaquer. J'ai pas besoin d'attaquer Shaka. Mais si je le chope, en fait je me rapprocherai un peu plus des autres civilisations. Ce que je peux chercher à faire, c'est être son allié. Ça va être difficile parce qu'il me hait, je pense. Je suis un peu belliqueux. Donc on peut le raser, avoir quelques villes, pour essayer de tomber sur Chandragupta et sur le très très long terme, la petite... sa capitale est super loin, quoi. Ouais, donc je peux pas juste rush, en fait, comme ça, sans Shaka Zulu. Sans des villes de Shaka, donc je sais vraiment pas. On peut essayer de faire ça. Par exemple, pour la capitale d'Alexandre, elle est ici. Voilà, si je prends deux villes ici, je prends la capitale là, c'est fait, quoi. La capitale de Catherine est par là, c'est un petit peu loin, donc il faudrait que je tombe ces villes qui sont là, et puis après lui tomber dessus. Mais franchement, je vois cette partie finir en 2019, quoi. Alors, on va regarder, on peut choisir un dogme. Donc là, en fait, on a le choix des dogmes. Science militaire qui finit au prochain tour, ce qui veut dire la cavalerie aussi. Donc, nos doctrines, il va falloir qu'on les choisisse, mais très très bien. J'ai pas mal de soucis de loyauté dans certaines villes, donc il va falloir que je déplace les gouverneurs. Il faut que je regarde où il n'y a pas de soucis. Là, il y a Rena ici, bon, on va déplacer Rena. On va la mettre donc à Corinthe. Tac, tac, tac. Ce qu'il y a du négatif. Corinthe est en fait à 0. C'est même pas... Bah, il y a combien de tours? Il y a 4 tours. On va attendre. On va attendre. On va pas la déplacer. Ce qu'on va faire, on va mettre une unité à l'intérieur. On va mettre une unité à l'intérieur. Ça devrait un petit peu l'aider. Ici, on a perdu une unité. C'est très bien. Erascor, parce que j'ai détruit... non, parce que je sais pas, dans une ère, c'est très bien comme ça. Toi, tu vas venir ici. Tu vas te soigner. Donc, on a Nanmadol de notre côté. Donc là, on va se soigner. On peut fusionner enfin nos unités. Donc toi, je me demande où est-ce que tu vas aller. On va se rapprocher donc du territoire de la petite... Comment est-ce qu'elle s'appelle? De la petite Amanitore. Donc je me demande si le petit moment de flottement, si c'est pas maintenant que je devrais le faire, parce que je vais bientôt en finir avec l'espagnol. Donc je vais rapprocher mes unités, et on va donc préparer notre... Alors toi t'as même pas de machin, mais tu vas venir ici. Alors toi, tu peux venir ici? Parfait, parfait, tu vas dormir ici du coup. Donc on va approcher petit à petit nos unités, donc je me demandais si je prends pas Athènes... Non, là... Franchement, j'ai combien d'unités? Tac, tac, tac. J'ai pas un cavalier qui traîne dans le coin pour le transformer en chevalier. Ici, j'ai un bélier. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Donc, toi, tu vas venir ici. Tu vas passer ton tour. On va prendre Athènes en même temps. On va prendre Athènes. Qu'est-ce qu'il y a à Athènes? Il y a un campement. Celui-là, ça appartient pas à Athènes. Le territoire est pas mal d'Athènes. En plus, ici, il y a des trucs qu'on pourrait faire. Tac, tac, tac. Tu vas venir ici. Il te reste pas assez de points de mouvement. Tu vas passer ton tour. Toi, tu vas rester dans la ville pour augmenter la loyauté. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un archer. J'ai pas vraiment besoin de l'archer. Tu peux aller à Guatemala City. Dormir à tout jamais. Toi, je vais avoir besoin de toi. Mais soigne-toi d'abord. Soigne-toi dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les autres sont en train de se soigner. Ici, mes cavaliers. Donc là, je vais juste vérifier un truc. Je pense que ça ne change rien. Donc là, je vais fusionner deux cavaliers. J'ai un régiment, j'ai des Erascor. C'est pas mal. Donc je vais essayer de voir le prix pour upgrader.
un régiment et deux cavaliers séparés. Donc là, on a notre éclaireur, on le fusionne. Ici, on a un éclaireur, on le fusionne. On a trois régiments. On a notre truc pour mobilisation, qui est un petit peu plus loin quand même. Où est-ce que t'as mobilisation? Mobilisation est ici. Avoir trois régiments. Voilà. Donc, ici, j'ai encore deux éclaireurs. Il y en a un qui est en train d'être fait, et puis il y en a un ici. Ah, je peux faire un autre espion. Bah, je préférerais faire un espion. On va faire un espion. Ok. Les cartes. Je vais enlever guerre de religion. Assaut, je vais garder ça parce qu'on a des unités. On a une cavalerie en fait. Et la cavalerie a tellement de points de déplacement que je peux me permettre de piller et d'attaquer dans le même tour. Prétoire, j'aimerais bien virer prétoire en même temps. Mais j'ai besoin de. Armée de métier. J'aurais bien mis ligne pour produire des trucs super vite, mais malheureusement j'ai pas la place. Prétoire c'est juste mais obligatoire. Non. Non, attends, je vais devoir regarder encore le truc. Oh punaise. Ouais, annule. Regardons un peu, parce que les endroits où on a un souci de loyauté. Par exemple, ici j'ai pas nettoyé la religion. Donc on va venir ici. Tu vas venir là. Et tu vas nettoyer la religion d'ici. Et donc la loyauté change directement. Donc je vais voir. Je vais enlever prétoire. Donc on va enlever ça. On va enlever ça. Et j'ai fait une erreur. Diplomatique, on remet machiavélisme. Militaire, on va mettre donc armée de métier. Où est-ce que t'es, armée de métier? Boum. Et je vais mettre Lim. Parce que les villes que j'obtiens, j'aimerais vite y monter en fait à... ici. Des remparts. On va mettre Lim pour le moment. Je suis pas 100% d'accord avec mon choix, mais c'est mon choix. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai besoin de mobilisation, mais il faut que je passe par urbanisme et donc génie civil forcément. Génie civil, je veux pas le débloquer tout de suite. Donc on va soit aller pour chaque cité dont je suis suzerain. Ouais non, c'est mort. J'ai besoin de mes cartes. On va aller ordre et opéra et ballet. Pourquoi? Pour avoir des émissaires. Parce que j'ai un petit souci avec Zanzibar en ce moment. Qu'est-ce que t'as fini? Toi t'as fini ça, tu vas faire donc ta zone industrielle. Ici t'as fini ton complexe de loisirs, c'est très bien, tu vas me faire ça. Ici t'as fini le cavalier. Ben on peut plus trop faire de cavalier, sinon ben, ça fait trop de cavaliers. Hein. Alors je crois que j'ai un musée. Ouais, j'ai un musée d'art et j'ai un musée archéologique. Ou alors j'ai pas de musée d'archéologie. Tac tac tac, qu'est-ce que je peux faire? Une unité qui s'upgrade très très bien. Allez, on a... J'allais dire on a jamais assez de béliers, mais non, à un moment quand même. La ville n'a pas de soucis d'habitation. Des remparts médiévaux, bah vas-y, fais-les. Ici, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, là on peut faire quelque chose d'intéressant. J'aimerais bien ramasser de cette case d'abord. Tu vas me faire un bâtisseur. Et je viens de changer d'avis. On va faire un bâtisseur. Voilà. J'ai encore la carte des bâtisseurs, donc servage d'activé. Autant en profiter. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai toi. Ok. Donc là, il se fait pas bombarder par cette ville. Il se fait bombarder par cette ville. Donc, tant qu'à faire... Non, rien du tout. Rien du tout, tu restes là. Donc, on a un chevalier ici. Le chevalier... On va l'approcher. On va l'approcher d'Athènes. On va prendre Athènes au prochain tour. Si on peut. Donc ce que tu vas faire, toi, tu vas avancer ici. J'aimerais avoir toutes mes unités super proches. Comme ça, on les prend. Comme ça, on prend la ville, mais très vite. Évidemment, ces chevaliers ont au moins un niveau de promotion. Donc on va pas les fusionner. Ce serait bien de les fusionner avec des chevaliers qui n'ont pas de niveau de promotion. C'est comme ça que ça marche ici. Alors, si je veux de la production, tu peux aller à Ulundi. Non, si je veux de l'argent, il faut aller... Je veux pas vraiment d'argent, mais Chennai, c'est pas mal. Chennai, c'est pas mal. Allez, vas-y, ça donne d'autres productions et pas mal de nourriture, donc autant faire ça. Ici, si tu veux de la production et que je mets tout... De la production, même Barcelone, c'est parfait, c'est pour toi ça. J'ai... ok, je suis au maximum de mes capacités.
capacité. Donc en fait mon armée sera mais ultra puissante. Et en plus j'avais vu autre chose. Tac tac tac, ici, la cavalerie. Oh là là, Chaka, mais je veux exploser Chaka parce qu'il fait trop le malin en fait. C'est juste pour ça. Donc ici je vais avoir un souci, il faudrait ramener quelqu'un très vite. Vas-y, tu restes là. Alors, Séville. Mais justement ce que j'avais vu c'est quoi? C'était détournement d'or dans un tour. Donc au prochain tour c'est là où tout va se jouer. C'est le truc de fou. Donc toi tu peux attaquer la ville. Vous vous prenez des coups, donc on va peut-être vous préserver. Ok, toi tu peux... Ah, il va prendre la ville. Bah c'est parfait. On a pris Séville. On va annexer la ville qui a 3 quartiers avec 6 de population. C'est très très bien. On va faire des remparts antiques. Donc là, les remparts vont se fermer super vite. Où est-ce que j'avais un souci de loyauté? J'avais mis Victor. C'était ici. On va regarder la loyauté de la ville. Loyauté totale dans machin. Donc j'ai 3,6. Ah ouais, le gouverneur en emmène 8 quand même. Hein, c'est violent. On va déplacer un gouverneur important. Alors Magnus, tu te trouves à Marseille, Amboise, Guatemala City. Toi je vais te rassurer. Il y a une ville qui est en négatif. Bon, là je vais perdre mon temps à chercher quelle ville c'est. C'était pas Ulundi? Ouais, c'est Ulundi. Donc Ulundi est en négatif, voilà. Je regardais ici, évidemment, c'est positif, vu qu'il donne un bonus. Voilà, donc là, Ulundi, on a... voilà, on a cautérisé la plaie, si on veut. Et on descend nos unités tranquillement vers... d'autres aventures... aventuresques. Alors, toi, tu vas te déplacer. Tu vas aller dans la ville. Voilà. Il se déplace et il fait une téléportation de doigts. Hop. Toi, tu vas te soigner si tu peux. La bombarde. Mais la bombarde, de ce côté-là, c'est très bien. C'est très très bien. Ici, tu peux faire ça. Je peux faire un overflow dans un truc. Si je fais ça, je vais avoir 1 de production, donc ça va monter à 4. Si je coupe, je vais avoir... il te reste 2 charges. Je vais... Ok, il n'y a pas besoin de vérifier, c'est pour la ville. On va couper ici. Comme ça, on fait des remparts. Et ici, notre garnison a des remparts. On peut faire l'ordo. Ouais, mais ça sera au prochain tour. Je peux retarder si je veux faire de la cavalerie. Ouh, oh là là, tu me donnes tellement de possibilités, le jeu. Tellement de possibilités. On va faire l'ordo en un tour, du coup. Hop. Toi, tu vas prendre ta promotion. Ce sera mieux, parce qu'il faut 10 ans pour te soigner. Le cavalier qui est là. On va le fusionner avec ce cavalier-ci. Voilà. Et donc là, on va retarder le tour. On va faire construction navale un tour. Et puis on va revenir sur la cavalerie. Comme ça, j'ai l'ordre de fini et je vais pouvoir acheter 2 cavaliers dans cette ville. Donc lui, il va falloir que je les déplace. Il faut que je déplace ces 2 unités. On fera ça au prochain tour. Ok, on passe le tour. Après, 13 minutes pour faire ce petit tour. Alors toi, où est-ce que tu vas aller? Tu vas aller ici, j'ai besoin de toi. Donc je vais me laisser, je pense, j'ai envie de dire 5 tours pour vraiment que le bellicisme diminue. J'ai oublié de faire la paix avec l'espagnol, il va peut-être me le proposer maintenant. Attends, quelqu'un attaque Armag? Nos émissaires commerciaux. Oh, mais je te remercie. Oh, elle est pas rancunière, c'est la seule qui pourrait m'aimer. Je suis en manque d'amis, donc... Non, Armag est en train de se régénérer. Si jamais quelqu'un l'attaque... Ok, c'est les personnes avec qui je suis en guerre. Ok, la santé qui monte bien. Fais des remparts. Fais-toi un lieu sain et... de toute façon, personne ne te touchera. Oh, le Colisée. Ok, on a réussi. Là, ça se voit pas, mais j'ai le point levé en mode tennisman. Yes! Qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Ok, donc là, j'ai perdu un tour. C'est normal, c'était calculé. C'est pas... Hein?
Tout est planifié ici. Tout est planifié. Donc le chevalier va venir ici. Toi, tu peux aller jusque là. Ok, donc toi, tu vas venir ici. Tu te feras pas bombarder par la ville, donc il n'y a pas de souci. Toi, tu vas aller là. Mais non, mais je veux... Il n'y aura pas de stropole, je crois. Il n'y aura pas de... Non, il n'y aura rien du tout. Okay. On va dégommer tout le monde, et puis voilà, c'est tout. Donc là, la ville, je vais pouvoir m'acheter, du coup, un cavalier. Deux cavaliers. Oh là là là. Donc là, il y a l'ordo. Ici, il y a une caserne, ça se voit. Là, il y a une caserne qui est dégommée, d'ailleurs. Ça se voit pas, mais ça se voit. Et j'ai même assez pour m'acheter un autre cavalier. Est-ce qu'on achète un cavalier à Amboise? Je suis à peine... J'ai à peine la tête qui sort de l'eau. J'ai 64 pièces d'or et j'ai 77 machin. Paramaribo, je peux t'acheter... Non, je veux pas faire ça. Parce que mon souci de loyauté, c'est simple en fait à régler. C'est très simple à régler. Il me faut juste un inquisiteur. Je vire les autres croyants de mes nouvelles villes et il y aura aucun souci. Donc là, j'ai plus assez de foi pour acheter un cavalier, je pense. Regardons ça. Je peux acheter un dernier cavalier. Un dernier, mais vraiment un dernier. Alors ici, il y a l'ordo. Je le vois. Nous le voyons tous. Et je peux pas l'acheter, ce qui est normal. Donc je vais déplacer cette unité. Et on achète notre petit cavalier. Voilà. Donc en plus, j'aurais pu acheter les éclaireurs. Mais bon. Faut pas trop abuser. Donc là, qu'est-ce que tu... T'as fini le campement. Tu peux réparer l'armurerie, s'il te plaît. Non, fais mieux. Répare le moulin à eau, ça donne la production. Peut-être que je le finirai en deux tours, qui sait. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a seulement deux régiments. Mais j'ai pas besoin des trois, en fait. J'ai pas besoin des trois régiments. Mais je vais quand même faire ça. Donc toi, tu viens ici. Et je me fais un dernier, cette fois-ci c'est vraiment le dernier éclaireur, on va le fusionner, on va... Bah non, j'ai besoin de deux éclaireurs. Pour faire donc des trois... Pour faire des armées. Alors ici t'as fini un monument, tu vas faire des remparts, comme ça on se protège encore mieux. Regardons la loyauté. La loyauté c'est 1,7, donc si je vire mon unité, je perds combien? Parce que ça je sais même pas. Ah oui, c'est pas une ville en occupation, donc ouais, y a pas de souci. Bon bah mec, viens te faire plaisir. Viens avec nous à Athènes, c'est la fête, c'est la fête. Ok, donc là, on va scinder cette équipe. Vous allez aller là. Toi, tu t'es fait une petite santé, mec. Tu vas passer par là, sinon il va se faire bombarder par les deux ici. C'est pas une bonne idée. Toi, tu peux aller, tu peux pas aller loin. Toi, tu peux aller. Si tu peux aller là, ça serait bien. Ici, tu te feras bombarder par personne, c'est parfait. Toi, tu peux venir ici, la ville est en siège. Toi, tu viens ici. Ah, t'as plus de points de mouvement. D'accord, toi. Ah, tu peux pas aller là. Du coup, toi, au lieu de t'envoyer, je vais t'envoyer ici. Ouais, au lieu de t'envoyer, je vais t'envoyer là. Donc toi, tu vas venir ici, et tu vas me piller cette route, mais tu peux pas. Ah, c'est Tomiris, pardon. Pardon Tomiris, ça m'a échappé d'air. Donc là, on va mettre nos deux émissaires... non, faut arrêter. Je vais mettre un émissaire à Zanzibar, comme ça je récupère Zanzibar, et mon souci d'activité diminue un peu. Voilà. Donc là, toi, tu peux pas piller la ferme, mais tu pourras la piller au prochain tour, personne ne pourra t'attaquer maintenant. Donc ici, la religion m'appartient. À Sparte, il n'y a pas ma religion. Ça m'énerve un peu. Ici, il n'y a pas ma religion non plus. Regardons ça. Ouais. Bon, il y a juste des pauvres, types, mais c'est pas grave. Tu vas venir ici. Ah, là, j'ai le véganisme qui se répand un petit peu partout. Voilà, hop. Ici, tu peux bombarder. Non, tu vas prendre puissance défensive plus 7. On va prendre Athènes et puis finir Genève. Et puis on lui laissera Mycène parce que c'est trop loin. Et Genève, on va la libérer. Je suis d'humeur libératrice. Souci de loyauté,
on te met ici. Voilà, ça monte. Donc là, je vais regarder quand même l'écran de loyauté. Donc la ville est en occupation. Une unité me donne 5. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre chevalier. On passe notre tour. On a notre chevalier qui est prêt. Ah mais cette ville, mais on va la rusher, mais elle va rien comprendre. Toi, j'ai pas vraiment besoin de toi, donc tu peux venir ici. Je pourrais t'upgrader et t'utiliser. Passe ton tour. Ici, mon chevalier. Bah, tu vas te faire une petite santé si tu peux. Toi, fais-toi une petite santé aussi. Les cavaliers ont un petit peu d'expérience. Tu peux venir ici. Oh là là. Oh punaise, ça va être fumé ce truc. Le bélier. Le bélier. Ah mais oui, mais j'ai acheté un inquisiteur. Alors que j'aurais pu utiliser celui-ci. Il a encore des charges. Ouais, c'est ça le truc quand on joue... pas toujours. De manière régulière. On va te lier. J'aurais dû le lier, hein, une cavalerie. Quand même. Bah passe ton tour, mec. Fais dodo. Ici, on a un autre bélier. Là, ce bélier, tu vas venir ici. Tu vas passer ton tour. Ici, on a toi. J'aurais préféré ne pas laisser mon... Vas-y, fais-toi une santé ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des cavaliers. Fusion. Ici, tu vas me faire ça, comme ça on récupère ce qu'on avait. Ça rend le territoire plus moche, hein, mais je pense que ça vaut la peine. Donc ici, tu passes ton tour. Oh là là, trop d'unités, ça tue les unités. Macédoine. Ah, mais je pourrais faire une route vers Gorgo, elle va apprécier. Elle pourrait apprécier. Ouais. Bah, la prochaine route, je la dédierai à Gorgo. Quand je voulais dire Gorgo, c'est Tomiris que je voulais dire. Donc là, tu as une promotion. Dis-moi que t'es un voleur. Permis de tuer, ingénieur spatial démolition. Ingénieur spatial, ça me sert à rien. Neutraliser les gouverneurs, ça me sert à rien. Ça peut être la... Pff, ah, c'est un ingénieur spatial. Quel truc pourri, je te jure. Ok, on a 3300 pièces d'or. Ça va fondre, mais on a 3300 pièces d'or. Alors, Espagne a des... Ok, ils ont dit mal. C'est normal. Ici, c'est normal. Il essaye de finir le chevalier. Il prend quand même pas mal, hein. Il prend super cher, ouais. Est-ce que tu t'es monté des unités? Ouais, non, je pense qu'il a une unité à distance qui tire pas mal pour avoir ça. Ah, mais non, mais c'est normal, c'est le corsaire. C'est la puissance du corsaire qui est transmise. Quand vous avez des bateaux, ils tirent forcément à distance. Si c'est soit à distance, donc c'est pas forcément à distance. En fait, l'unité, enfin le nombre de dégâts que font les remparts est égal à la plus puissante unité qui attaque à distance. Si le véritable début de l'ère industrielle est très revendiqué, vous le savez, qui remonte à la découverte de la science militaire par la Mongolie. Donc ici, on va finir construction navale, comme ça on peut enfin tremper nos pieds. On a un général illustre. Transforme une unité militaire en armée. C'est qui? C'est Napoléon. Oh yeah! Puissance de combat plus 5, points de mouvement plus 5 pour les unités terrestres des aires industrielles et modernes dans un rayon de 2 cases. Bienvenue Napoléon. Bienvenue. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un bâtisseur. Il y a une case de désert, on va faire un complexe de loisirs ici. Donc toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire une ferme de l'autre côté, ça m'intéresse pas. Je peux continuer à faire des fermes ici, ça m'intéresse pas. En plus, il a 5 de charge, quoi. Pourquoi je l'ai construit? Je me rappelle pas. Je me rappelle vraiment pas. En plus, cette ferme, je peux pas l'utiliser. Quand je dis cette ferme, je parle de cette jungle que je peux pas couper. 1, 2, 3, je peux pas utiliser ces... Bah viens ici faire cette ferme. Je sais pas quoi te dire, mec. Fais-toi plaisir. Donc, je vais envoyer cette route à
Tomiris. Où est-ce que t'es, Tomiris? City. Ah, je peux pas l'envoyer vers la City? Bah, tu sais quoi, je vais la rapprocher. Je vais la rapprocher, je vais l'envoyer de la capitale, ici. Je suis quelqu'un d'intentionné. Je la nargue pas du tout. Ah, je peux faire un négociant. On va réparer l'armurerie. Ça prend toujours 3 tours. Ici, on va faire des remparts. Ici, on va réparer le grenier. Ici, on va réparer ça. Ici, on a notre espion qui va nous voler encore plus d'argent, mais moins qu'avant. Elle a compris, maintenant elle cache son argent. Donc là, l'upgrade va me coûter 190 pièces d'or. Là, j'ai un cavalier 2 étoiles, ça va me prendre 380, donc il n'y a pas de changement. Bon, j'ai dû tester ça avant, hein. C'est juste que voilà. Il faut toujours tester, sinon tu testes pas. Alors, ici. Oh, punaise, mais on va tellement lui tomber dessus à cette... C'est gentil, madame. Tu vas venir ici, tu vas faire ton upgrade. Waouh. Ok, donc cette ville, normalement, va tomber en machin. Donc là, tu peux venir ici. Est-ce que j'ai toujours ce bug? Ah, j'ai plus le bug. Il a déplacé, ou je sais pas comment est-ce que son machin est parti, en tout cas. Il y avait un général illustre qui bougeait pas. Il voulait pas partir. Il se sentait trop bien dans nos villes, donc il s'est dit, mec, s'il te plaît, laisse-moi rester encore un petit peu. Du coup, toi, mais tu vas te mettre ici. Toi, tu vas venir ici, tu vas piller la ferme, il te restera des points de mouvement qui vont te servir à attaquer la ville. On va d'abord utiliser lui. Comme ça, il prend pas cher. Ah, il peut pas, évidemment. Et puis le... Oh, comment je vais faire? Parce que là, j'ai 4 tours pour prendre la ville. J'aurais bien aimé amener donc la tour de siège. Mec, on va y aller. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Avec nos unités qui sont full life. Vas-y. Il n'y a plus de rempart dans la ville. Mais la ville ne prend pas cher. Franchement. Ah, tu peux pas attaquer. Oh, mais punaise, mais je fais n'importe quoi. Vas-y. Heureusement qu'il y a des unités en veux-tu, en vois-tu, hein, franchement. Toi, est-ce que tu peux aller dans la ville? Ok, tu peux aller dans la ville. Du coup, toi, je vais te déplacer. Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas venir ici. Tu vas devenir un cavalier, mais tellement puissant. En plus, un 2 étoiles. Alors, toi, t'as même pas d'XP. Je vais t'upgrade. Et puis, je vais le fusiller. Ok. Donc, lui, je vais lui demander de venir là. Voilà, c'est joli. Ok. 70. Est-ce que... Regardons vite fait ma capitale. Combien de défense est-ce qu'elle a? Elle a 63. Donc j'ai de moins bonnes unités que... Mais peut-être qu'elle a mis... Victor dans sa capitale, hein, qui sait. C'est une jolie histoire, hein, tout ça, mec. Hop. Upgrade. Toi, tu viens ici. Je veux pas les fusionner. Toi, parce que t'es ici, tu passes ton tour. Alors toi, tu vas aller là. Tu vas faire disparaître cette religion, comme ça, je suis très bien. Toi, tu vas rien piller du tout, mec. Ici, on a un cavalier. Tu vas venir ici, et tu vas prendre ton upgrade. Tu vas m'aider à finir à terme. Ici j'ai un chevalier qui peut fusionner. On les fusionnera que quand je serai désespéré, mais vraiment désespéré. Allez, parce qu'ils ont des levels. Ici je peux prendre. Il peut se transformer en piqué de tir. C'est de quel côté que t'es, toi? Tu vas venir ici et tu vas prendre. Oh punaise. Combien ça me coûte en fait? Ouais, je perds 3 pièces d'or à chaque fois. Mais en les fusionnant, je récupère un peu. Ok,
Qu'est-ce qu'on a? On a un chevalier ici. Hop. Ici, on a un chevalier. Ah, Bruxelles a été... Ok. Révolte dans machin. Vas-y, tu vas venir ici. Toi, où est-ce que tu vas aller? Si tu vas là, tu vas te faire buter. Donc là, l'Espagnol, j'ai oublié de lui faire la paix, évidemment. Il a que 26 pièces d'or par tour. Tu vas me donner ça, tu vas me donner ça, parce que je te déteste à fond. Tu vas me céder toutes tes villes, évidemment. Et puis quand encore? Ok, tout est mis, j'espère. 26 pièces d'or par tour. Allez, je prends. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime son prochain. Tomiris. Une ambassade. Nous ne sommes pas intéressés. Pourtant, elle m'a envoyé une délégation. Faire un marché. T'as pas grand-chose. Je vais te donner du jade. Je vais te donner du sucre. Et je vais te donner... Est-ce que tu peux me donner de la thune? Non. Enfin, t'as encore plein de thunes, hein, mais je vais pas la raqueter. C'est bien parce que je t'apprécie. Vas-y. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac. Toi. Upgrade. Donc, par exemple, lui, il va se prendre des coups de machin. Donc, c'est très mauvais ce que je viens de faire, là. Le truc, c'est sauter sur Nomamba le plus tôt possible. Inquisiteur. Bah, tu vas venir ici. Hein, tu vas... Voilà, j'ai le véganisme. Toi, tu vas rester ici. Hop. Bah toi, j'ai plus vraiment trop besoin de toi, je t'avoue. Armag, je peux pas lui changer sa religion, parce que c'est pas ma ville. Tu vas venir ici. Alors toi, il doit te rester une charge. Non, il a deux charges. Prêcher une croyance. Pèlerin et prosélyte. Oh punaise, le mec, j'attends en fait pour... Ok. Si j'avais su. Donc ici, c'est cette religion. Tu vas venir là. Ok. J'ai 255, j'ai pas assez. Je vais quand même prendre un missionnaire. Cette ville, est-ce que t'as un... Mais oui, mais punaise, il y a des lieux saints, mais partout, c'est l'Espagne. C'est génial. On va prendre un missionnaire. Ça coûte pas cher du tout. Au prochain tour, on pourra prendre un autre missionnaire. D'ailleurs, j'ai 202 de foin, mais c'est juste indécent. Alors, Napoléon. Napoléon... Où est-ce que j'ai plus de cavaliers? Ici, j'ai beaucoup plus de cavaliers. Je vais te demander de venir ici. Alors, toi... tu vas venir par là. La ville n'a pas de soucis de loyauté, on passe le tour. Oh là là, je fais des épisodes plus longs, mais c'est toujours 4... C'est toujours 4 tours que je fais à peu près. C'est chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a? Toi, tu vas te soigner. Soigne-toi. Passe notre tour. Construction navale, obtenir de galères. T'as cru que je suis qui? La Macédoine a construit une usine dans sa ville Agai. Donc il y a plus de productions qui sont données pour les villes qui vont vers Agai. J'espère que ça va passer à trop. On va voir ça au prochain tour. Donc ici, hop, le chevalier se fait attaquer. Le chevalier se fait attaquer. Je prends 31 et 28. Je suis en guerre contre personne d'autre à part Gorgo. On va prendre juste Athènes et on va... j'arrive, hein, mec, j'arrive. T'inquiète pas. Je vais te montrer à quel point je suis belliqueux. Nos soucis. À la fin du dernier épisode, j'avais regardé un peu la puissance militaire. 2600, il a que 1100. Donc, risible. Je sais pas comment sont faits les calculs, mais en tout cas, l'Angleterre a déclaré la guerre à la Macédonie. Et donc, je suis automatiquement en guerre avec elle. Seule une planche sépare un marin de l'éternité. C'est ça ou pas? Il y a une urgence. Une urgence cible Alexandre. Mais je peux pas y participer parce que je suis son pote. Eh oui, c'est comme ça que ça marche. Choisir une technologie. On va prendre cartographie ou éducation. Ils ont... Mais les Mongols, ils ont rien dans la tête. Hein. Ils ont juste tout dans les chevaux et puis c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je voulais faire un truc ici. Place... Truc de loisir. J'aimerais bien faire ça parce que même ma capitale commence à avoir, je pense, de l'usure de guerre. Non. Je suis en déficit. D'accord.
Ce que tu vas faire, un temple, parce que c'est la capitale quand même. C'est la ville sainte. La ville sainte n'a même pas un temple. C'est quoi ce truc? Donc là, j'ai... Ok, il me faut encore un dernier éclaireur. Le truc super utile, les éclaireurs. Ici, t'as fini un chevalier après 40 milliards d'années. Mais on t'en remercie. Ces 40 milliards d'années qui sont mis à profit. Donc là, on a des chevaliers. Par exemple, ce chevalier et ce chevalier vont fusionner. Toi, tu vas venir ici. Tu vas prendre ton level, Bard. Toi, tu vas fusionner avec lui. Voilà, c'est très bien. On a une cavalerie ici, maintenant. Ça déconne pas. Donc là, on va attaquer avec notre mousquetaire. Il prend quand même super cher. Toi, tu prends cher. Il prend, mais super cher. Ah, lui, il prend pas trop cher. Bah, mec, vous allez fusionner. Il va perdre des PV, parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vas venir ici. J'aurais dû attaquer d'abord. Tu vas attaquer. Tu peux piller. 52 science. Je sais pas si ça vaut la peine. Cartographie, c'est combien? Cartographie, c'est 540. Ouais, ça nous aide un peu, mais pas tant que ça. Tu vas attaquer. Alors ici, t'as fini tes remparts. Tu vas... me faire, voilà, produire des points de machin, on va l'occuper un petit moment. Ici, tu vas réparer ton grenier. Alors toi, tu vas piller ici. Non, prends ton temps. Le bélier, tu vas rester là. Alors toi, bah non mais ça sert plus à rien, tu vas aller vers le bas. Toi, tu vas rester ici, je veux pas t'upgrader pour le moment. Toi tu peux te mettre ici, toi tu peux te mettre là. J'aimerais le mettre dans la jungle en fait. Voilà, comme ça on attaque des unités qui viennent de l'autre côté. Bonaparte, vas-y, tac tac tac. Toi, je me rappelle plus si on peut renommer les unités ou pas. En tout cas, il n'y a pas ma religion dans ces villes. Tac, tac, tac. C'est vraiment problématique. Ici, par exemple, il y a une grosse pression. Ouais. Bah, tu vas aller à Quito, mec. Hein. Tu vas aller à Quito. Et tu vas... Il est pas allé. Voilà. Tu vas aller à Quito, tu vas nous arranger ça. Donc là, je vais faire une route vers la capitale qui est Éphèse. Voilà. Ah mais non, la Paz me donne 9 pièces d'or, allez. Punaise, il faut pas qu'elle me dénonce. Établir une ambassade, elle est pas intéressée. Meuf, on est en train de faire des trucs là, je suis en train de... Oi, 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 oi. Moins 200 quasiment. Parce que je suis un peu... chaud quoi. Donc je disais... Ici il y a un apôtre qui s'est perdu, mon apôtre il est là. Prosélyte. J'ai véganisme. Oh punaise. Mais l'attaque sur... comment il s'appelle? Ouh, il y a une trop grosse pression. D'accord. Il me faut absolument un prosélyte. Je peux pas me permettre de changer la religion comme ça. Allez, le cran des religions. 1 contre 6. Ouais non, je vais épuiser mes... Ouais non, c'est trop violent. Et ici? Il y a même pas ceux de ma religion. Elle a utilisé des prosélytes, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Bah tu vas venir ici, tu vas commencer à changer la religion de la ville. Il y a quand même 6 de propagation. Donc là tu vas à Ulundi, on prend... J'ai combien de tours avant le changement d'air? J'ai 3 tours. 3 tours, ça va me permettre d'avoir un apôtre et peut-être... Soit je prends plusieurs missionnaires, soit je prends des apôtres. Donc toi, tu vas passer ici, parce qu'on va attaquer par là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je cherche mon bélier. Mon bélier est pas là. Bon, c'est pas grave, toi tu vas venir là. Voilà, tu vas dormir ici. Mon bélier est ici.
Tu vas venir là. Voilà. Non, toi tu vas rester ici, toi tu vas même reculer, tu vas passer au-delà de la mer. Tu te feras bombarder, mais tu seras sur notre territoire, donc tu prends, tu te récupères, tu régénères super bien. Alors ici, tu vas passer, tu vas rester en fortification. L'inquisiteur, ben je peux pas vraiment t'utiliser. Tu vas aller dans la ville, hein, et puis plus de pouvoir. Alors ma cavalerie, elle est là. Alors là, mes frontières touchent enfin. Enfin, Alexandre. Donc si jamais il vient faire genre je suis grand, mec, je te déconne. Allez, vas-y, 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 tu viens ici. Donc ici j'ai un inquisiteur qui est actif. Je sais pas pourquoi je l'ai amené ici. Le roi inquisitionnaire. Pourquoi pas. Allez, on passe notre tour. Activité, je sais pas si. On va regarder Madrid. Ah mais je suis encore en guerre. Ouais. L'usure des guerres qui diminue. Ouais ouais ouais, tu vas pas le buter mec. Ah mais j'ai perdu une unité, t'es sérieux? J'ai perdu un chevalier ici. Ah mais oui, mais il y a un campement qui me bombarde ici, mais je suis distrait. Je suis distrait. J'ai pas mal de science, pas mal de culture, sans trop essayer d'ailleurs. 140 de science, et puis ici. Ok. Fin de la Renaissance dans deux tours. L'opéra, c'est quand un. Ok. Mais je prends mais tellement cher. Allez, on va utiliser notre nouveau chevalier. Ok. Il a combien de puissance? Il a 58 de puissance. D'accord. Grâce à la horde mongole, bien évidemment. Vas-y. Alors toi. T'as pris mais super cher. T'as pris super cher toi. Est-ce que t'es prêt de monter d'un level? Ouais, il est prêt de prendre un level, donc on va capturer la ville avec lui. Voilà, promotion disponible. Merci bien, c'était sympa. On prend le quartier. On va acheter un monument parce que j'ai pas le temps. On va choisir un dogme. Terre brûlée. Allez, colonialisme, parce qu'on va aller vers histoire naturelle. Même si ça me sert à rien, histoire naturelle. Je veux le génie civil, mais je peux pas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Un bâtisseur, c'est déjà fait. Tu peux faire le Bolchoï, tu peux finir le négociant. Finis donc le négociant. Tac, tac, tac. Mec, tu vas venir ici me faire des fermes. Bah, tu peux faire une ferme là où t'es, donc vas-y déjà. Qu'est-ce que tu peux faire? T'as fini ton atelier. Tu peux faire une armurerie, tu peux faire l'Angor Corvat. Ici, sur la seule case super intéressante. Un bâtisseur, non. Une armurerie, ça me sert à rien. Des remparts médiévaux. Allez, plus de remparts. Et j'ai enfin fini ma quête d'éclaireur. Enfin. Donc cette ville peut faire un complexe de loisirs. On va le mettre ici. Ok, j'aurais pu faire un complexe de loisirs maritimes, hein, mais je viens juste d'y penser. Tu vas faire un phare. Est-ce que t'as une zone industrielle? Cette ville a déjà une zone industrielle, tu vas pas faire le phare parce que ça me sert à rien. Ça va juste donner un de nourriture aux cases de l'eau, non merci. Très peu pour moi. Ici tu peux faire un temple, vas-y fais donc un temple. Ici tu peux faire un monument. Culture, culture, culture. Ici tu vas me faire des remparts. Ici j'ai des émissaires. Production, ouais mais il faudrait que je les utilise. Loyauté plus 2 pour chaque bâtiment de campement construit dans une ville. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Une prochaine fois peut-être. Titre de gouverneur. On va garder Liang comme dernière à recruter et on va enfin faire la paix avec Gorgo. Faire la paix. Faire la paix. Elle va rien me donner. Rien. Il reste Genève. Mycène. J'aurais bien aimé libérer Genève quand même.
C'est sa capitale, il n'y aura pas de changement de loyauté. Tant que ces villes n'auront pas... Allez, c'est quoi? On va faire la paix, c'est pas grave pour Genève. J'aurais bien aimé la libérer, c'est une scientifique. Je me rappelle plus de son bonus, donc on va aller sur l'écran de Gorgon, on va faire la paix. Voilà. Il faut absolument que je baisse en fait en termes de... d'usure des guerres. Ici, il n'y a pas d'usure des guerres, mais... Ok. Donc là, 45 minutes. Déjà que c'est dur de faire des tours. Ok, la l'organisme est ici. Ils coûtent moins cher, donc je pourrais toujours les utiliser en fait. Tu vas venir ici, tu vas passer ton tour. Ils coûtent moins cher que des missionnaires et c'est du... c'est pas mal. Ok, Bruxelles. Révolte dans 45 tours, mais vous êtes sérieux? Ah, elle a diminué de puissance, on va aller la capturer. J'ai pas un bélier dans le coin? Non, j'ai pas de bélier dans le coin. J'ai un bélier dans le coin. Ici, j'ai de la cavalerie qui va aller se faire les dents. Hop. Allez. Fusion avec l'autre et reste dans la ville. Ok, merci, c'est ça que je veux. Viens donc ici. Et prends ta promotion si tu peux. Vas-y. Le chevalier qui est là, il va aller là. Voilà, la ville est en siège. Ici. Ok, il y a un mousquetaire. On va se mettre là, on va capturer Bruxelles et on va la libérer. Ah mais non, mais je peux pas la libérer, c'est ça le truc. Ah non, je peux la rendre au fondateur. Donc ouais, on va libérer Bruxelles. Oh, dommage. J'ai pas un chevalier qui se balade par là. Non, j'ai pas de chevalier qui se balade par là. Ok. Si j'attaque la ville, je prends pas cher, hein, mais... Allez. Est-ce que tout mes... Ah ben non. Réveiller l'unité, je peux pas. Ok. Je viens de le fusionner, donc ouais, non, je peux pas. Alors, tu passes ton tour. Tu passes ton tour. Attends, la religion a déjà changé? T'es sérieux, le jeu? Allez, tu vas venir ici. Tu vas utiliser prosélyte. J'ai le véganisme. On va amener le missionnaire ici. On va propager notre religion. Mais non, mais... Zulu, c'est un petit plat qu'on prépare depuis très très longtemps. On l'a mijoté, mais oh là là. On a fait mariner la viande, là. On a fait mijoter la petite sauce, là. Quand on va la manger, ce sera excellent. Oh là là. Ça me donne faim. 10 de population, c'est très bien. 9. La Rochelle. Il n'y a pas d'usure de guerre, mais j'ai juste un souci d'activité, en fait. Ok. Alors, Gorgo, non merci. Attends, je peux peut-être lui prendre ça. Ouais, elle a des trucs intéressants. Ah oui, elle veut tout pour 10 pièces d'or. Elle est folle dans sa tête. Je vais rien te donner, Gorgo. Oh punaise, je suis à 31 pièces d'or. Oula. D'accord. D'accord. Je n'avais pas vu. Où est-ce qu'il en est, mon espion? Il a 4 tours de me voler peut-être de l'argent. Donc là, il commence un peu à retirer ses... Ok, il attaque la ville. Je sais pas ce qu'il fait, mais il attaque la ville. Et j'ai oublié d'acheter donc des apôtres. On va aller en Tous Amboise. Ceux qui errent. Cartographie, découverte, c'est très bien. On va prendre donc un apôtre ici. Il me reste 200 pièces d'or. On va aller vers Oulunli et on va acheter notre missionnaire. Donc là, au prochain tour, ce sera le changement d'air. Je serai toujours dans un âge d'or, mais je n'aurai pas le petit bonus que j'ai maintenant d'avoir plus de charges.
Voile carré. Attends, mec. J'avais dit que je finis, que j'allais finir Rainurage. On va prendre ça. Et puis après, on va viser. Non, lui, il m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les blindés. Mais pour les blindés, je vais avoir besoin de pétrole. Donc, il faut que je passe par l'acier. Et puis. Ah, oh, mais ça va. Si je choisis ça, de toute façon, ça va être balistique. Ouais, bah dans ce cas-là, on va prendre lui d'abord. Et puis, lui après. Ouais, mec. Attends, je. Attends, je vais juste vérifier un truc. Si je choisis ça, est-ce que je peux choisir ça? Ouais. C'est bon, hein, mais. Ah, mais pour Rainurage, je suis obligé de passer par balistique. Ouais, ben on va aller par combustion alors, ce sera ce qu'il nous faut. Et quand on aura ces quatre technologies, le jeu sera fini. École militaire, remparts médiévaux, j'en ai pas besoin. Tu peux me faire des éclaireurs, j'en ai pas besoin. Tu peux me faire des keshiks. Un ingénieur militaire. Oh là là, l'ingénieur militaire, il va être tellement bien dans Gathering Storm. Du pain et du jeu. Non, ça n'a pas de souci. Plateforme commerciale, je veux de l'argent. Là, c'est la capitale. Plateforme commerciale. Rempart. Grenier. Soin. Oh putain, c'est quand même. Oh, yeah. Ben non, mais c'est chaud. Ici, j'ai pas de. Non, je vais l'envoyer ici. C'est mieux. Mieux vaut changer la religion là, comme ça j'ai pas le malus. Le chevalier qui est là, ben, c'est pas grave. Tu vas descendre. Toi, tu vas te soigner. Tu vas me prendre amphibie, j'aurais dû prendre commando, j'aurais dû aller de l'autre côté. Ok, toi tu vas prendre des routes. Ici. J'ai plus trop d'argent, mec, donc on va rester là. On va se soigner. Donc là, avant de s'arrêter, je vais faire genre deux épisodes. Deux épisodes. Je vais faire deux tours. Comme il n'y a pas de guerre, bah, ça ira plus vite. J'espère, donc ça veut dire déplacer mes unités tout simplement. Par exemple, là on va mettre. Dis-moi que c'est pas une colline ici, s'il te plaît. Punaise, c'est une colline. Donc je vais être obligé de mettre mon truc ici. C'est pas grave. C'est le jeu. Tu vas venir là. Tu vas rester en fortification. Tu vas passer ton tour. Sportif. Deux doigts tout jamais. Donc ici, il y a ma religion. Il y a un apôtre de machin. Est-ce qu'il est sur mon territoire? Non, il est sur le territoire. Ouais. Bah, tu peux venir ici, mec. Comme ça, on peut un peu. Wouah. Il a des bonus de fou. Inquisiteur, tu reviens dans la ville. Tu fais pas le point. Le missionnaire qui est là ne fait pas le point non plus. Et il a énormément de propagation. Allez, tu vas venir ici. Tu vas propager une fois l'introduction. Alors lui, il lui reste juste un. Mais comme c'est un apôtre, il est très puissant pour attaquer les autres apôtres. Donc ce qu'on va faire, on va plutôt s'en servir comme attaquant. J'ai tellement d'unités qu'elles s'empiètent, quoi. Ok. Toi, tu vas rester ici. Toi, tu vas aller là. Normalement, ces cavaleries ont 6 de déplacement. Je ne sais pas pourquoi ils en ont 5. De base, ils ont 5. Plus 1 grâce à leur dos, ça devrait être plus. Alors, cette case, ça appartient à qui? Ça appartient à cette ville. Ça me donne de la nourriture. Ce qu'on va faire, on va donner la nourriture à cette ville. Je peux pas lui donner la case, c'est dommage. Bah, du coup, bah, j'ai pas le choix. Allez, ramasse donc la nourriture. Après, le lieu ça, on va faire donc un truc là-bas. Donc ici, ce qu'on va faire, tu vas venir là pour me prendre
ce petit machin. Toi, tu vas aller là. Donc je vais pas attaquer la ville tant que je ne l'aurai pas entouré, parce que j'ai pas envie qu'il me la ninja en fait. Fortification. Mais je peux peut-être avoir un bon impact, c'est chaud à dire, enfin c'est difficile à dire, dans le sens où ça pense. Hein. Ok, là je pense que je suis prêt pour le prochain épisode de buter ces petits coquins. Alors ici Quito. Quito, usure de guerre moins 5. Le tour va finir. Finesse. Le mec il a même pas eu le temps de respirer entre deux dénonciations. Le Congo a déclaré la guerre à la City. T'es sérieux? Mais t'es loin. Comment tu vas faire? Il faut que tu passes sur mon territoire. Regardons la City. Ah, c'est l'hôpital qui se moque de l'hôpital. Alors, il est en guerre contre Tamar et... Oh, même à Manitoré. Alors, nos poètes, philosophes et machin se flattent. Votre arrêté est vraiment admirable. Satisfait. Oh. Le mec qui me dénonce et puis après il me fait un grand sourire. Eh oui, donc là nous sommes dans un âge d'or. Malheureusement, Quito, regardons vite fait Quito, est-ce que l'usure des guerres diminue? Parce que l'usure des guerres diminue beaucoup plus vite en temps de paix, toujours 5. Oh là là là, Calcutta se fait attaquer. Il est 57. Regardons un peu qu'est-ce qu'on peut avoir. Production plus 10 pour la construction de merveilles. Le bonus de proximité de science nous donne aussi de la production. Casus Belli, production militaire plus 15%. Pénalité de bellicide, bah c'est aux armes qu'on va prendre. Hein. Nos marchands ne peuvent pas être pillés, les routes commerciales internationales octroient 3 unités d'or par quartier spécialisé. Ou alors on prend ça. Casus Belli, enfin, je produis pas d'unités, je sais pas si vous avez remarqué, je fais très peu d'unités. J'ai produit ce que j'avais à produire et j'en ai fini quoi. Donc là, il s'agit juste de ne pas les perdre, de bien attaquer cette ville, de contenir les unités qui sont là, mais je pense qu'elles sont en sandwich entre nos unités, donc ça sera très bien. Mais on va voir ça dans le prochain épisode, donc je vous dis merci d'avoir regardé, et à bientôt sur Memoria. Allez, salut!